Le sida, il semble qu'il progresse beaucoup. Il semble qu'il progresse beaucoup et que depuis quelques années, on arriverait peut-être à stabiliser un peu la maladie, etc. C'est de ça dont nous nous occupons. Et ça, M. Sarkozy s'en occupe aussi bien que moi, peut-être même mieux, avec les grands médecins de l'assistance publique de Marseille. Ce que je regrettais il y a quelques mois, là, quand nous étions dans les tourmentes électorales, c'est que s'il y a un mort de plus par Kalachnikov dans une rue de Marseille, Mme Chazal ouvrira le journal de 20h là-dessus. Si nos médecins séparent deux enfants siamois avec succès, s'ils refont l'œsophage d'un patient sans ouvrir, en lui reconstituant l'œsophage. Alors là, vous n'en entendrez pas parler. Il y a de cela 60 ans, et que je suis très heureux, en tant que maire de Marseille, de vous dire toute mon amitié, toute ma considération, toute ma reconnaissance de l'aide que M. Sarkozy a pu m'apporter, et qui me permet de vous recevoir encore aujourd'hui dans ce bureau. Voilà leur engagement de mariage. Et je vous donne, bien entendu, M. Sarkozy et Madame, la médaille d'honneur de la ville de Marseille. Merci. Voilà, il y a peut-être un bouquet aussi pour Madame Sarkozy. Merci. Je suis très heureux du privilège que vous nous faites aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de nos 60 ans de commune, de vie commune, et être reçu par le maire de Marseille, sénateur et même vice-président de la Haute Assemblée. Vous fûtes alors, monsieur Godin, le second vice, si je puis dire, le plus haut personnage de l'État. Et figurez parmi vos amis, car c'est bien un signe d'amitié que vous nous donnez aujourd'hui, et c'est un honneur auquel nous sommes sensibles pour le restant de nos jours. Merci encore, monsieur Godin. Mais je parle beaucoup, monsieur le maire, mais vous me connaissez, et vous savez bien que c'est mon défaut lorsque vous me donnez la parole lors de nos réunions.